Ok, bonjour et bienvenue, c'est Petit Shinodensei, on est sur du Heroes of the Storm, on est sur la map Temple Céleste. Du coup, les objectifs de Temple Céleste, c'est capturer les temples. On capture les temples, il faut les tenir. C'est-à-dire que plus on reste dans l'enceinte de temple, plus le temple va tirer sur les tours adverses et faire du dégât. Et ensuite, il faut défendre les temples parce qu'il y a des soldats, les gardiens plutôt, qui essaieront de récupérer le contrôle des temples. Alors les gardiens, c'est des IA. Et aussi, il y a bien entendu les adversaires. Donc voilà pour le petit résumé de cette carte et de ce mode de jeu. Heroes of the Storm, je suis présent sur ce jeu depuis la alpha. Là maintenant, on est sur la bêta en développement. Il faut savoir que ce jeu sera gratuit. Alors, vous pouvez payer pour avoir accès à la bêta. Il faut savoir que c'est 30 euros. Mais néanmoins, ça vous débloque, je crois, une bonne partie des personnages. Enfin bon, ce jeu sera en free to play plus tard. Là, vous payez que votre droit d'accès au jeu, à la bêta, pardon, plutôt, et votre et tout un tas d'héros. C'est à vous de voir si vous voulez vraiment jouer rapidement à ce jeu ou non. Moi, personnellement, je l'ai eu gratuitement puisque je suis présent depuis l'alpha. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour l'alpha pour une raison X que je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'est parce que je joue beaucoup à des jeux Blizzard dernièrement. Et du coup, je vois que ça. En tout cas, voilà, un petit peu de Heroes of the Storm. On joue Raynor. Raynor, notre petit assassin à distance. Raynor qui vient de StarCraft 2. Et du coup, on va voir ce qu'on peut faire. Je vais lancer un build dans le genre. Je vais lancer un build dans le genre. Comment on appelle ça? Total sniping des adversaires. C'est-à-dire que moi, je vais faire en sorte d'être très très fort contre les héros. En même temps, c'est mon objectif, je suis un assassin. Du coup, on est parti pour assassiner, tout simplement. Here we go. C'est parti, on commence la petite game de Heroes of the Storm. On va tous rusher cette zone-là pour avoir le contrôle de map. En tout cas, de cette partie, plutôt, bien évidemment. Et là, on y va en mode qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Représente, First Blood, c'est pour nous. Allez, on est trop chaud. On est très très chaud. Alors là, au-dessus, il y a Raynor et deux assassins. Bim, un petit coup dans les dents, ça fait toujours du bien. Bien évidemment. Hop là, on va essayer de faire l'élastique, bien évidemment. Oh fuck. Hop, il faut le sniper, bien sûr. Et grab-le, grab-le, grab-le. Ok. On l'aura pas, c'est bien dommage. Mais en tout cas, on commence la partie très très bien. Puisque comme vous avez pu le constater, on est déjà à 2 kills d'avance. Puisqu'ils n'en ont fait aucun. Du coup, c'est très très bien. Donc Heroes of the Storm, bien entendu, c'est pas du tout comme du LOL. Hein, vous vous en doutez. C'est beaucoup plus, comme vous avez pu déjà le voir, c'est beaucoup plus intensif, beaucoup plus rapide également. Du coup, voilà. Là, on est à 30 secondes de. Bim, un petit coup dans les dents. Ça fait toujours du bien. On a aussi des montures, hein, ça permet de se dépasser plus vite. Bien sûr. On va descendre au bot, en middle plutôt, parce que vous voyez. Après, sinon. Voilà. Et vous voyez qu'il y a des gardiens qui pop, tout simplement. Oh merde, j'ai été pris dans la zone. Il faut que je fasse gaffe à pas crever, bien sûr. Voilà, lui il va crever en revanche. Bon, on a des alliés qui jouent relativement bien. Là, je débloque un talent. Je vais prendre pour les coups critiques. C'est-à-dire que pour les coups critiques, bah, ça va tout simplement me permettre de pouvoir faire des coups critiques de temps en temps. Et je vais aller au top. Je vais aller au top aider pour sniper, pour aider notre allié qui. Qui va se faire sniper sinon par notre petit Raynor qui est là. Oh merde, je l'ai complètement fail le coup. On a 2 contre 1, tu vois. Hop. Hop, il faut que je back moi, sinon je vais me faire défoncer. Et je vais aller une fontaine de soins pour récupérer un petit peu, bien entendu, la moitié de ma vie. Ça va bien le faire.
Alors, je vais venir vous aider, les gars. Hop. Le petit runner qui est snipé. Ah, je vais me prendre une plante. Ah, fuck. Alors, lui, il est très ambitieux, celui-là. C'est-à-dire que là, bim. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est français. Il est français. Ça tombe bien. Un compatriote. Un compatriote. Ah, ils font chier à tout en récupérer la Xela. Hop, un peu de vie. Là, vous voyez, je vais aller aider mon allié. Parce que bon, il est en manque, bien sûr. Hop, faut sortir de la zone, parce que bon, peut-être pas décoller. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller choper cette zone-ci. Non, les cogneurs, je suis pas assez fort pour récupérer les cogneurs. Les cogneurs, c'est des mobs en fait qui sont présents sur la map d'origine. Hop, hop, on essaie de sniper le petit Raynor. Hein. Oh bah il est ambitieux ce Raynor. Ah y a un mec juste là, invisible. Là vous voyez, il est troublé du coup. Il faut se méfier quand même. Parce qu'il faudrait pas se prendre un coup dans la gueule. Et vous voyez que les ennemis abattus, j'ai un talent. Vous voyez que les ennemis abattus sont donnés pour toute la team. Hein. C'est-à-dire que si tu participes à un kill, t'as juste fait un dégât à un moment donné, qui meurt dans les airs à tout. Back mon con, back. Là, il faudrait pas se non plus. Voilà, il faudrait pas non plus. Alors vous les gars, on va. Là, ce qui est bien, c'est que on a un tank qui est la grosse abomination. Et il y a moi qui suis un sniper de... Hop, on va prendre un peu de vie. On va éviter de... Vous voyez, voilà, je vais crever avec ces conneries. Heureusement que j'ai mon adrénaline. Alors je vais arrêter de faire le con. Je vais back. Et je vais aller au bot. Je vais aller au bot aider. Parce que c'est là où le temple va spawn. Du coup, je vais au bot aider. Toute la journée, s'il le faut. Parce que je pense qu'au top... Non, je vais aller au top. Je reviens au top aider. Parce qu'il serait pas... Il serait pas bon... Voilà, tu vois. Ça va limiter les adversaires. Ouais, alors tu vois, ça les a bien limités mon sort. Bon, c'était l'ultime, ça fait du dégât de zone. En piste, les rebelles. Évidemment, et c'est très très bien. On a récupéré le contrôle de map. Une. Je l'ai raté. Ouais, je vais t'aider, mon gars. Vas-y, engage. Voilà. On est sur de la bonne. Voilà. Et ça va pouvoir nous permettre, vous voyez, comme vous pouvez voir, ça va nous permettre de pouvoir faire des dégâts supplémentaires. C'est-à-dire c'est des alliés en plus, hein, tout simplement. Alors toi mon gars, t'es ambitieux le Raynor en face. Il joue un peu comme de la mer en face, hein, il faut le dire. Ils sont pas très très forts. Enfin pas très très forts. On va pas dire que je suis un professionnel non plus, hein. Mais je veux dire qu'ils font quand même pas mal d'erreurs, ils sont assez greedy, c'est-à-dire que... Hop, on envoie ça va calmer les gens. Ouais, c'est comme sur... Là, tant qu'il y a des minions, les tours vous attaquent pas, hein. Je précise, c'est pas comme sur l'os, c'est-à-dire que si vous attaquez un héros sous une tour, vous allez pas vous faire défoncer par la tour, bien évidemment. Hop, je l'ai raté. Alors lui, il a lancé son ulti. Hop. Ouais, appel à la retraite, c'est pas con. C'est pas con. Ma magie s'écoule à travers les temps. Ça va pas mal nous aider. Hop. Et là, on va faire des dégâts en fait avec ce temple, vous voyez. Là, il y a un mec invisible.
Alors ils sont trop en face quand même, on va se faire défoncer. Surtout moi, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors comme truc, j'ai renforce les attaques de base contre les héros. Du coup c'est ce que je veux, pour être un sniper moi. Du coup je veux pouvoir faire des dégâts. Et vous voyez que ça attaque nos structures. Et ils ont le contrôle de zone là. Oh joli ça, ça attaque nos structures. Zeratul il est un peu gradé quand même. Hein. C'est-à-dire que là, bon il aurait pu se faire les deux mais... Bon ça va, 2 points. On a connu pire. Et en bas on a le... On n'a pas encore le contrôle mais on va pas tarder à la voir. Je vais récupérer la zone en haut. Non en bas il peut gérer. Je vais peut-être venir quand même. Non mais non, ils ont pas besoin. Je repars en haut. Le mec est pas du tout indécis. On est sur de l'indécision. Bien évidemment. Alors le Raynor, il va sans doute vouloir des pêches. Voilà, il est là. Si on pouvait choper. Merde. Alors, je suis complètement fail, j'ai décalé mes doigts. J'ai cru que j'étais sur du Starcraft à la fin. Moi je vais venir avec Val. Voyez, on prend la monture et on se casse en fait, tout simplement. En piste les rebelles. T'as vu, il est con quoi lui. Hop, hop. Here I come. Voyez les gros boss. C'est, on va être un mob qui va nous aider. Ça va vite crever. Oh, faut ressortir de la zone. Et merde, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu à temps plutôt. Moi, je vais sortir, hein. Je suis à attaque à distance. Je vais pas m'emmerder à prendre du dégât dans la tronche. Et là, je vais aller dépêcher un peu la lane en bas. Hop. Faut savoir que plus je tue de mobs, moi plus je suis fort. Avec ce que j'ai pris au début. C'est-à-dire que plus je tue de mobs, plus je vais faire de dégâts. Au bout de 10, je fais plus de dégâts, je crois. Ça doit prendre plus 2 ou genre de trucs. Du coup, c'est très intéressant à avoir. Lui, voilà, encore greedy, il va se faire défoncer. Je vais aller au top pour défendre. Parce que là, en face, on a ça qui arrive. Étourdi. Bon, c'est-à-dire que mon A va étourdir maintenant. Mon A va étourdir. Hop, je vais aller défendre au top. Voilà, ici. J'ai un petit peu de lag, j'ai l'impression. Là. Alors, mon Z, il me permet de booster un peu mes alliés pour qu'ils fassent plus de dégâts. Enfin, qu'ils tapent plus vite, en tout cas. Je sais pas s'ils font plus de dégâts. Faudra que je vérifie un peu plus en détail. Là, oui, il faudrait que je m'aligne. Et ici, tu fais des dégâts. Là, on a un Diablo à côté, hein, il a juste un skin particulier. Voilà, on se casse. J'ai plus de vie, moi. J'ai plus de vie, je vais aller à la fontaine juste derrière. Au milieu, vous voyez, ça se casse, ça tape sur la tronche, mais vu qu'on a deux tanks l'un dans l'autre, il n'y a pas de problème. On a le contrôle de la map au milieu. Oh, tiens, viens avec moi, Diablo, on va se faire ça. En piste, les rebelles. On doit capturer ce camp de mercenaires. Diablo. J'ai besoin d'aide par ici. J'ai un petit cadeau pour vous. Le plan me va. Ah non, ok, il va aller sur le... Il va aller sur le milieu ou quoi? Ouais, il va aller sur le milieu. Faut frapper vite et fort. Hop. Pas trop commit, hein, juste faire du dégât. C'est-à-dire que là, il y a un Zeratul. Alors toi, voilà. On est sur de la greediness, voilà. Voilà, il était en mode total greedy. J'ai pas bien passé là. J'aurais dû passer sur les trois qui étaient alignés. Et du coup, j'ai fait de la merde. Au milieu, on se fait défoncer, mais je veux prendre ça. Ça peut bien nous retourner. Et merde, je vais back moi. Je
fais vague parce que je suis à mid-life depuis tout à l'heure et que c'est pas bon de rester à mid-life, tout simplement. Au mid, ils ont bien défoncé. Et on va go. On va go tranquillement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Il faut capturer ce camp de mercenaires. Ok, here I come, dude. Affirmatif. On y va tranquillement. En haut, vous voyez que ça va bien push. On est en train, on a la game entre les mains, ils sont même pas besoin de moi. On a la game entre les mains sans problème. Je vais push au mid. En tout cas, je vais retirer là un peu les mobs de la lane, de la mid lane, si on peut se permettre l'expression mid. Hop, je vais mettre un coup histoire de, tu vois, les donner un avantage. Évident à nos minions. Hop, je vais aller au mid. Hein. Je vais aller au mid aider. Bien évidemment, on me laisse aller tout seul devant. On est. Voilà, casse-toi. T'as tout compris. Tu peux compter sur moi. Voilà, lui, Diablo, il prend la zone. Ça va nous permettre de pouvoir mieux gérer. Vous voyez que là. Putain, il y a un Zeratul qui était là. C'est chaud à les choper. Okay. Je prends assez cher, je vais mourir. Vous voyez. Mais l'un dans l'autre, le Zeratul va mourir dans la seconde. Voilà. Et le deuxième, je sais pas qui c'était. Voilà, je suis mort, j'ai fait un peu de la merde. Enfin, un peu de la merde. Tu me diras pour qu'il y ait deux mocs qui meurent en face. C'est pas mal. Lui, je sais pas pourquoi il engage tout seul. Surtout qu'il est faible, c'est un soutien. Et face à deux tanks, il peut difficilement faire quelque chose. Au mieux back et choper quelque chose, quoi. Alors, dégâts de zone, ce que je viens de prendre là. Du coup, vous voyez à peu près ce que j'ai pris. Ah oui, je gagne un point de dégâts en plus pour les attaques de base pour tous les 6 serviteurs tués. Ou alors, mercenaires ennemis tués à proximité. Les morts de héros comptent 2. Du coup, voilà quoi. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de la merde? La régénération par seconde, vous voyez. À portée d'attaque 5-5. Dégâts d'attaque 440. Je go avec vous. Enfin, voilà, vous voyez là, le côté greediness. En tout cas, moi, hop, voilà, je vais faire des dégâts sur les gens. En revanche, là, faut que je back parce que je suis tout seul. On a bien défoncé. Viens avec moi, on va se faire celui-là. Ouais. Je viens avec toi. Toute la journée, s'il le faut. Bing. Explosez-leur la tronche. Et je vais push top, moi. Ah, ouais, je viens avec toi, finalement. En piste, les rebelles. Ah, j'ai un vieux coup de lag, mec. T'es sérieux? Bon, c'est pas grave. On a pris le camp de toute façon. Moi, j'aurais bien aimé pour la tuer. Et j'ai un coup de lag sur le lancement du mon sort. J'étais assez dégoûté, vois-tu. Moi, je suis complètement grillé. Je passe à l'intérieur. Bon, bah, je m'en bats les couilles. Alors, est-ce que j'ai une adrénaline? Oui. Ouais, s'il te plaît, ça pourra m'être utile. Merci. Ok, vous voyez que là, on a bien évidemment bien la game en main. Lui, il va s'en prendre une. Je vais attendre qu'il se TP. Ah, joli taunt! Le mec, il m'a bien brain. Il s'est dit, attends, tu crois que je te connais pas, toi? Tu vas encore essayer de me niquer. Wow, ok, ça, c'est pas bon, ça. Je vais fuir par là avec mon Hyperion et je suis quand même mort. En même temps, 3v1, tu me diras, j'aurais pu difficilement faire quelque chose. Bon, là, je suis un peu de la merde. Je meurs un peu pour rien.
Vous voyez qu'au final, on a gagné. On a gagné. Du coup, c'est tranquille. Mais vous voyez que c'est un mode de jeu. C'est un tout nouveau jeu, un mode de jeu celui-là. Et il est très plaisant. Et vous avez vu que, en fait, si vous voulez, League of Legends. League of Legends. C'est des lanes, c'est un peu dans le même genre que League of Legends. Sauf que, vu que tu as une répétition d'objectifs, tu as beaucoup de teamfight. Et je trouve ça vachement intéressant. Et il est beaucoup plus dynamique que LoL, tout simplement. Là, on est à une vidéo de je sais pas combien de temps, je pourrais pas vous dire. 3 morts pour 15 kills, d'une vidéo de 17 minutes. Vous voyez qu'on a bouclé la game. Bien sûr, ça peut aller un peu plus vite, mais il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de truc en plus. Ok. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à plus, à bientôt et à la prochaine vidéo. Allez, salut! On va aller jouer avec lui.